L'été au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, les mesures sociales annoncées par le chef de l'État, quatre ministres sont largement revenus ce matin sur les annonces avec force et détail. Nous évoquons tout à l'heure les mesures qui touchent le pouvoir d'achat des Togolais et le secteur éducation. L'attente a été longue, ça y est, eh bien ça démarre maintenant. Les travaux de construction du grand marché d'Adaolato sont lancés. Nous irons sur place avec tout le matériel déjà en place. En fin d'édition, le méga concert du 27 avril, c'était hier sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Rendez-vous donc tout à l'heure en fin de journal pour écouter ce concert. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Un quart d'heure pour évoquer la nation. Le chef de l'État au rendez-vous du 27 avril dans un discours aux annonces fortes. Le pouvoir d'achat, l'éducation, la santé, le terrorisme, la décentralisation. Eh bien, le président Fornasimbe a fait le tour des sujets qui préoccupent les Togolais. Je vous propose de réécouter encore ce soir l'importante adresse du chef de l'État au peuple togolais. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, au moment où nous célébrons le 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays, je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits tout au long du chemin que nous avons parcouru depuis le 27 avril 1960. Je rends hommage aux héros de l'indépendance, ces hommes et femmes, célèbres ou moins connus, qui ont chèrement payé le prix de notre liberté. Nous resterons reconnaissants à l'endroit de toutes les figures, courageuses et patriotes, qui se sont battues pour l'avènement d'un Togo libre et indépendant. Leur sens du sacrifice nourrit notre engagement à poursuivre résolument l'œuvre de construction de la terre de nos aïeux, à promouvoir son rayonnement et à préserver la cohésion sociale. Mes chers compatriotes, depuis maintenant 2 ans, l'éruption de la pandémie de la COVID-19 a considérablement perturbé nos vies sur les plans sanitaires, économiques et sociaux. Je voudrais réitérer mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu des parents ou des proches et souhaiter une prompte guérison à ceux qui malheureusement sont encore malades. Je voudrais aussi remercier tous nos compatriotes qui se sont fortement mobilisés pendant cette crise pour gérer et contenir la pandémie, en particulier les personnels de santé sur toute l'étendue du territoire, les membres du comité de riposte, le conseil scientifique, les médias et les acteurs de la société civile. Je suis convaincu que les nombreuses appréciations positives que nous avons reçues pour la gestion de la pandémie sont aussi dues aux mesures innovantes que nous avons prises et aux valeurs de concertation, de discipline et de solidarité auxquelles nous sommes toujours attachés. Les statistiques de contamination, qui s'améliorent depuis quelques semaines, nous encouragent à maintenir notre constante vigilance en cohérence avec nos ressources et nos valeurs. Nous devons désormais rester attentifs et apprendre à vivre avec le virus en poursuivant la campagne de vaccination et en respectant les mesures barrières.
Mes chers compatriotes, le monde traverse une conjoncture marquée par une superposition de crises d'une ampleur jamais égalée. Cette situation, exacerbée par la guerre en Europe et ses conséquences, se traduit notamment par la dégradation de l'économie mondiale. Elle est particulièrement ressentie sur les prix des produits de première nécessité et des produits pétroliers et entraîne un risque majeur en matière de sécurité alimentaire. Au plan régional et sous-régional, le terrorisme et l'extrémisme violent mettent à rude épreuve la quiétude des populations et la stabilité des États. Une prise de conscience collective quant aux causes et conséquences de ces fléaux est nécessaire pour que nous travaillions tous ensemble à la recherche de solutions durables. Au plan national, l'attaque terroriste de Sanluanga dans la préfecture de Pendjal, repoussée par nos forces de défense et de sécurité, a confirmé la nécessité de poursuivre nos efforts pour éradiquer ces menaces. Je salue donc l'action déterminante de nos armées qui défendent nuit et jour l'intégrité de notre territoire et assurent la sécurité des personnes et des biens. Je m'incline devant la mémoire de nos braves soldats qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission, notamment au Mali. Je voudrais redire notre compassion et notre solidarité à leurs familles et à leurs frères d'armes. Mes chers compatriotes, malgré la conjoncture difficile, notre pays affiche un taux de croissance économique de 5,3% pour l'année 2021. Cette performance encourageante confirme que nous devons continuer de nous appuyer sur les forces de notre économie, mais aussi sur des mesures sociales, innovantes et inclusives. La transformation structurelle de notre agriculture reste un pilier essentiel de notre politique de développement. Elle sera poursuivie par la création, à la fin de l'année, d'une agence de transformation agricole et par la restructuration et l'accroissement des capacités d'intervention du mécanisme incitatif de financement agricole, MIFA. Une attention particulière est accordée à la mécanisation et à l'irrigation pour augmenter la productivité et les rendements agricoles. Ainsi, au regard des tensions dans les circuits d'approvisionnement mondial, le gouvernement a d'ores et déjà pris toutes les mesures pour assurer la disponibilité et l'accès des producteurs aux engrais à des prix subventionnés. Togolaises, Togolais, le contexte sanitaire et sécuritaire qui perdure dans tous les pays du monde affecte notre pouvoir d'achat et notre bien-être. Nous devons toujours faire appel à nos valeurs de cohésion et de solidarité pour continuer à préserver les plus vulnérables et ne laisser personne de côté. Dans cette optique, le gouvernement a pris des mesures qui vous seront annoncées à l'issue de ce discours. Mes chers compatriotes, mon engagement reste ferme pour faire du Togo un pays résilient et poursuivre les progrès que nous avons enregistrés ensemble. Dans cette optique, les différentes initiatives de protection sociale et de modernisation seront amplifiées. Nous continuerons de nous appuyer sur une gouvernance innovante et dynamique, soutenue par les innovations technologiques pour assurer l'inclusion sociale, financière et numérique
de tous nos concitoyens. Le Togo a adopté une stratégie dénommée Stratégie Togo Digital 2025, reposant sur 3 axes et visant une transformation digitale pérenne. Elle permettra notamment de faciliter les interactions de l'administration publique avec les citoyens par la numérisation progressive des procédures et des formalités. Cette option requiert des investissements importants dans l'amélioration de nos infrastructures numériques et de la connectivité au réseau mondial. Grâce au dynamisme de notre pays, nous avons récemment accueilli l'atterrissement du câble sous-marin Equiano. De même, le ciblage des services dédiés aux populations en situation de vulnérabilité sera constamment amélioré pour faciliter les interventions sociales de l'État. Ainsi, l'identification biométrique de toutes les personnes résidant au Togo permettra de mettre en place un registre social unique. Cette approche innovante qui allie célérité, efficacité et mobilisation des acteurs locaux et nationaux est déjà mise en œuvre dans le plan d'urgence pour les savanes. Ce programme novateur, conçu au début de l'année et immédiatement déployé, a déjà permis de renforcer l'accès aux services sociaux de base, notamment l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation. Son exécution se poursuit afin de répondre durablement aux préoccupations exprimées par les populations. L'implantation de nouvelles infrastructures socio-économiques s'appuiera sur des critères objectifs et transparents qui seront définis sur la base des résultats de la cartographie des infrastructures existantes afin de contribuer à la réduction des disparités régionales. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, dans le domaine de la santé, l'assurance maladie universelle et l'accélération de la construction des infrastructures de santé vont consolider les acquis. L'engouement déjà suscité par le programme Wezou pour l'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né démontre la pertinence de cette approche sociale. En matière d'éducation, notre ambition repose sur un socle complet de mesures qui tient compte des forces et faiblesses de notre système éducatif pour identifier des solutions globales et durables. Elles permettent de répondre aux besoins prioritaires du secteur en mettant notamment l'accent sur le recrutement des enseignants et leur formation, ainsi que la construction en cours des infrastructures. J'ai demandé aux ministres concernés de maintenir les discussions avec les partenaires sociaux pour relever les défis qui subsistent. C'est le lieu de saluer les accords intervenus récemment qui s'inscrivent dans la dynamique de concertation que nous encourageons. Dans cet esprit, les attitudes de défiance à l'autorité, de non-respect des textes et de troubles à l'ordre public sont à proscrire. Le gouvernement y veillera avec fermeté. J'invite donc tous les acteurs sociaux à utiliser les voies légales, à privilégier le dialogue et à éviter les violences. Mes chers compatriotes, notre démocratie continue de se consolider, nourrie par notre volonté de poursuivre la construction d'un état de droit dans lequel chaque institution joue efficacement son rôle et chaque citoyen saisit pleinement la portée de son engagement au service de la patrie. La décentralisation, qui est désormais une réalité de notre quotidien sur toute l'étendue du territoire, nous offre l'opportunité de mieux répondre aux attentes des populations. Ce processus sera complété avec l'organisation des élections régionales dès l'année prochaine.
l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales en voie d'opérationnalisation va contribuer à mieux outiller les acteurs locaux pour rehausser leurs performances dans la gestion des collectivités territoriales. Togolaises, Togolais, dans le but d'une meilleure implication du secteur privé dans la réalisation de nos ambitions, le cadre réglementaire de la commande publique a été récemment revu pour assurer la célérité, la transparence et la réduction des coûts et favoriser l'investissement privé dans les secteurs porteurs de croissance. Par ailleurs, le dynamisme de la jeunesse togolaise doit être encouragé et soutenu afin de lui permettre de prendre toute sa part dans notre marche vers le progrès. La réserve de 25% des marchés publics aux jeunes et aux femmes participe de cette démarche. Je félicite ici les entrepreneurs qui ont saisi cette opportunité et qui la font vivre au quotidien. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, en ce 62e anniversaire de notre accession à l'indépendance, il importe que nous renouvelions notre attachement aux valeurs qui fondent notre vivre ensemble. Notre nation reste et restera une et indivisible. Et chacun d'entre nous a l'impérieux devoir d'en préserver l'harmonie en faisant preuve de plus de discipline, de respect mutuel, de civisme, de patriotisme et de solidarité, nous y parviendrons. Notre responsabilité est de faire de notre patrie une nation unie et forte, telle que les héros de l'indépendance l'ont rêvé, un pays qui comble nos aspirations et nos attentes. Que Dieu bénisse le Togo. Bonne fête de l'indépendance à tous. Le discours du 27 avril du président de la République, vous venez là de le réécouter. Discours aux annonces phares. Et ce jeudi, eh bien, le gouvernement est largement revenu sur sa mesure. 4 ministres dans l'exercice, explication point par point, but apporter encore plus d'éclairage aux populations. D'abord, les mesures sur le pouvoir d'achat des Togolais. Ulrich Amiga. Début d'année 2022, le chef de l'État annonce une avance d'un mois de salaire aux fonctionnaires togolais. Depuis 4 mois, cette avance s'est prélevée. Dans les porte-monnaies, ça se ressent. Le phénomène de vie chère n'arrange pas les choses. Devant la faiblesse du pouvoir d'achat des populations, le chef de l'État annonce des mesures fortes. Parmi elles, la suspension des remboursements de l'avance d'un mois de salaire accordée aux fonctionnaires du public, du parapublic et aux retraités. Compte tenu de l'accélération, j'allais dire de la dégradation de la situation économique mondiale, qui provoque un effet inattendu sur l'inflation au niveau local que nous vivons tous et à laquelle nous faisons face, le gouvernement, sur les très hautes instructions du chef de l'État, a donc décidé de suspendre cette mesure pour pouvoir justement éviter que le pouvoir d'achat des populations ne soit encore plus affecté par ces situations totalement inédites et, vous conviendrez avec nous, imprévisibles. Donc on a le temps de voir venir d'ici la fin de l'année, si jamais la situation économique évolue dans un certain sens, de pouvoir apprécier et pouvoir, comme cela a été déjà fait, toujours prendre des mesures dans le sens de protéger le pouvoir d'achat des populations. Autre mesure forte pour soutenir le pouvoir d'achat des Togolais, les commerçants au marché ne vont plus payer de taxes de ticket sur les 3 mois à venir. Au même moment, un contrôle des prix des produits de première nécessité sera exercé. Un plafond désormais défini. Et l'État, d'ailleurs, s'est engagé pendant ces 3 mois-là à payer en lieu et place de ceux-là ou de celles qui s'acquittaient du paiement de ces taxes-là. Au plafonnement des prix, il est vrai que nous ne l'avons pas précisé dans le communiqué, mais
ce plafonnement se fera chaque mois, selon l'évolution des mercuriales. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un service qui suit cette évolution chaque semaine, que ce soit les produits locaux, notamment le maïs, le sorgho, le haricot, le riz, produit localement. Nous avons des mercuriales. Nous aurons à faire un travail en vidéoconférence avec nos directions régionales qui sont aujourd'hui connectées pour mettre en place les mesures de contrôle et puis de suivi dans toutes les régions du pays. Aujourd'hui, nous devons être attentifs à ceux qui ont le plus besoin du soutien collectif. Et c'est cela, la solidarité. Et c'est cette valeur qui est mise en avant à travers le message de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sur le marché, beaucoup de femmes ont bénéficié d'un accompagnement du Fonds national de finances inclusives. De l'argent remboursé au quotidien, le chef de l'État annonce là aussi la baisse du taux d'intérêt. Il y a une vraie dynamique de développement qui se met en place dans nos localités quand l'autonomisation économique des femmes est mise en avant. Étant les principales bénéficiaires, par exemple, du Fonds national de la finance inclusive, si le taux de remboursement est à plus de 95%, il y a une raison. Il y a un niveau de sérieux dans la conduite de leurs activités au quotidien qui fait que, effectivement, le gouvernement sait que dans les familles, dans les foyers, c'est ces femmes-là qui tiennent économiquement le fonctionnement de ces foyers. Gel des remboursements d'un mois de salaire, plus de paiement des tickets sur les trois mois, avec des prix plafonnés sur le marché. Des mesures pour amortir le choc de la vie chère. Le gouvernement appelle commerçants et producteurs à une bonne foi. Et parmi les secteurs évoqués hier par le chef de l'État, l'école togolaise, elle connaît, vous le savez, des remous depuis quelque temps. Une situation largement abordée par le président Faure Gnassingbé et sur laquelle est revenue également ce matin la conférence de presse animée par le gouvernement. Le compte rendu, Ulrich Amégan avec Abidé Gnassingbé. Le secteur de l'éducation en proie à des perturbations depuis des semaines. Dans les familles, sur les réseaux sociaux, le sujet fait débat. Beaucoup de médias ont relayé cette information en, malheureusement, en lui donnant une lecture très biaisée. Contrairement à ce qu'on dit, ces fonctionnaires n'ont pas été révoqués du fait de l'exercice d'un droit de grève. N'ont pas été révoqués du fait de l'exercice de leurs droits syndicaux. Ils ont été sanctionnés après une procédure conforme au cours de la fonction publique pour avoir agi dans l'illégalité. L'arrêté qui les a révoqués a donné les motifs et chacune des raisons pour lesquelles ces sanctions ont été prises. Vous savez, c'est toujours quelque chose qui est difficile. Hein. Je vous le dis, ce n'est pas un plaisir de dire qu'on a sanctionné des personnes. Même si c'est un simple blâme, c'est toujours une décision très difficile. Face à cette situation délétère, le chef de l'État, dans son discours du 27 avril, appelle au respect de l'autorité et au dialogue. Même si c'est fixé des derniers accords, il dit que nous devions garder le contact en permanence et que ces questions ne peuvent se résoudre que dans le dialogue avec les acteurs sociaux du secteur de l'éducation. Durant ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été consentis. Lancement de grands chantiers de construction de salles de classe, 20 000 tables bancs réparties à travers le territoire, équipement matériel didactique et informatique, des efforts à renforcer, reconnaît le chef de l'État, décidé à poursuivre les chantiers. Le président de la République a annoncé un renforcement du recrutement des enseignants. On en a lancé pour 3 000 qui sont en cours de recrutement actuellement. Mais en même temps, on renforce les infrastructures. Alors, le chef de l'État nous dit dans son discours qu'il reconnaît que ça ne règle pas tous les problèmes de l'éducation et qu'il y a des problèmes qui subsistent dans le secteur. Donc on ne nie pas le fait que le secteur n'est pas encore parfait, autant de la qualité même des enseignants, de la manière dont l'éducation est transmise à nos enfants, que du cadre dans lequel se développe l'enseignement chez nous. Redonner à l'école togolaise ses lettres de noblesse, le gouvernement entend impliquer tous les acteurs, l'éducation, la formation, des pivots de développement.
Et demain, nous reviendrons sur d'autres points évoqués lors de cette conférence de presse animée ce jeudi par les membres du gouvernement et sur ces mesures concernant donc les fonctionnaires togolais notamment. Mesures annoncées dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance. Occasion aussi pour les chefs d'État étrangers d'adresser des messages de félicitations au président de la République et au peuple togolais. Message, par exemple, de Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne. Il écrit ce qui suit. « Monsieur le Président, à l'occasion de la fête de l'indépendance de la République togolaise, je vous adresse ainsi qu'aux citoyennes et citoyens togolais mes sincères félicitations. En dépit des défis engendrés par la pandémie de Covid-19, le Togo a progressé sur le plan économique ces dernières années. Dans ce contexte que votre pays a décidé de faire, avancer des réformes pour la stabilité, la croissance et l'état de droit dans le cadre du Compact with Africa du G20. Je suis confiant que les progrès enregistrés dans ces domaines ouvrent la voie à un développement durable, stable et prospère d'un Togo démocratique. Soyez assurés que l'Allemagne continuera à appuyer, à accompagner votre pays en tant que partenaire dans cette voie. Mes meilleurs voeux d'énergie et de chance vous accompagnent dans l'accomplissement des tâches importantes qui vous attendent. Message du président de la République fédérale d'Allemagne à son Excellence, M. Faure Issa-Zimania Sylvie, président de la République togolaise. D'autres messages sont parvenus au président de la République. Message du président de la commission de l'UMOA, Abdoulaye Diop, qui écrit en substance « Cette célébration intervient à un moment où la République togolaise est prise de paix, s'est résolument engagée dans la voie de l'émergence en s'inspirant de votre vision des valeurs de solidarité, de cohésion économique et monétaire de notre espace communautaire. Je demeure convaincu en le magnifiant de votre dévouement et constant engagement à ne ménager aucun effort pour la réalisation des objectifs assignés à notre Union, notamment le développement économique et social de ses États membres. » Autre message enregistré au courrier arrivé du chef de l'État, message de Sergio Mattarella, président de la République donc, d'Italie, tout comme celui de Willem Alexander, président des Pays-Bas. Enregistré également au courrier arrivé du chef de l'État, le message de félicitations de Moon Jae-in, président de la République de Corée du Sud, tout comme celui du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui écrit également, je saisis également cette opportunité pour saluer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays et pour vous assurer de ma ferme excellence, de ma ferme volonté d'œuvrer de concert avec votre excellence à leur raffermissement et à leur diversification en vue de la réalisation de nos ambitions communes et dans l'intérêt compris de nos populations respectives. Dernier message enregistré donc ce soir, message de János Áder, président de la République de Hongrie, et qui félicite également le président Ferenc Imbé pour la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance du Togo. Des mesures fortes annoncées, nous le disions, des mesures qui concernent notamment le pouvoir d'achat des Togolais, les femmes notamment. L'autre nouvelle applaudie par les femmes commerçantes, eh bien, c'est les travaux de construction du grand marché d'Adaolato. Ça démarre, tout le matériel est déjà en place. La cérémonie de lancement, le récit, Ulrich Améga. Vu de haut, les 7500 m² réservés pour la construction de bâtiments au grand marché d'Adaolato. Sur le site, ouvriers à l'œuvre, camions, tracteurs et machines positionnées. Vrai visage du démarrage des travaux. Mais bien avant, le gouvernement, dans un élan de communion nationale, confie les travaux à Dieu le Père. Toutes les confessions religieuses se joignent à cette intention. C'est une grande joie pour nous de savoir que les travaux démarrent enfin ici. Nous ne pourrons que remercier le gouvernement tout en espérant que les travaux finissent tôt. Les dignitaires ont voulu avant tout mettre Dieu devant. Et pour la construction de ce marché, que je peux dire, est le grenier, la vide de son peuple. La garantie divine, désormais reçue, entrepreneurs et architectes s'en réjouissent. Pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, rien ne vaut que la bénédiction de tous les dieux, de toutes les religions pour nos travaux. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal, enseignent les Écritures.
Les autorités togolaises l'ont bien compris et pris la mesure de la situation. La pose de la première pierre de travaux de reconstruction de ce grand marché s'est déroulée le 30 janvier 2020. Malheureusement, nous avions été rattrapés par la crise sanitaire. Il a plu à Dieu ce jour, cette période-là, que ces travaux-là puissent démarrer. Et donc, les femmes du grand marché d'Adaolato ont souhaité, pour ce démarrage, qu'on mette les travaux dans les mains de Dieu, pour que tous les travailleurs qui puissent construire ce marché dans la paix sociale. Dans exactement 16 mois, les travaux seront livrés, si tout va bien. 16 mois au cours desquels tout intervenant sur ce chantier pourra compter sur la protection divine. Et la suite est cette visite des membres du gouvernement à la ferme agropastorale Frère Jacques. Eh bien, c'est le nom de cette ferme. C'est à Saint-Cassé et c'est après le conseil des ministres délocalisé dans cette préfecture. Le récit, le compte-rendu de cette visite, le constat sur place, c'est avec Yves Abouvi. Un centre d'accueil de développement agricole et artisanal en plein cœur de Saint-Cassé, où affluent des milliers de jeunes de la sous-région et du Togo. Créé il y a une vingtaine d'années, le centre agropastoral a accueilli des membres du gouvernement après le conseil des ministres délocalisé à Saint-Cassé. Une visite, question de voir ce qui s'y fait et relever l'appui nécessaire pour sa promotion. C'est une grande joie pour moi d'accueillir les membres du gouvernement pour la visite de ce centre. Ici, nous avons un centre agricole et artisanal qui accueille la jeunesse et surtout la jeunesse la plus pauvre. Et nos actions permettent à la jeunesse de se former en agriculture moderne, élevage et aussi en maraîchage. Il y a 21 ans que je suis sur ce site, nous avons formé plus de 10 000 jeunes Togolais de 5 ans jusqu'à Néro. Et tous sont installés. De l'autre côté, ma grande joie est que nous n'accueillons pas seulement les Togolais, des Burkinabés qui viennent de Bobo et de Ouaga. Dès qu'on dit qu'on va faire 1 hectare d'oignons, ici nous sommes à 50 tonnes à l'hectare. Des résultats enregistrés qui méritent d'encouragement, et c'est la dynamique qui a mobilisé des membres du gouvernement dans la ferme. Cette visite s'inscrit dans le changement de paradigme du chef de l'État qui veut aujourd'hui une gouvernance de proximité. Donc nous sommes très heureux d'être ici et surtout surpris du fait que la ferme a fait d'une terre aride une zone de production de haute densité, de productivité. Ça, c'est des initiatives à encourager. Ce qui nous reste à faire en tant que membres du gouvernement, c'est d'accompagner ces initiatives qui vont dans la droite ligne de la politique du chef de l'État. Une politique d'inclusion qui soutient les initiatives en faveur du développement et qui nécessite l'implication du secteur privé. Ça ne peut pas être l'investissement d'une seule personne. Je pense que ce qu'il a fait ici mérite d'être accompagné. Le gouvernement est à ses côtés, l'État fait sa part, mais je pense que le secteur privé également peut investir plus dans ce genre de projet. C'est tout ce qu'on attend du secteur privé. Je pense qu'un exemple qui tend la main au secteur privé togolais, c'est l'agropole de Kara. C'est vraiment le premier site et c'est des expériences qu'il faudrait qu'on puisse donner l'opportunité de multiplier sur le site de l'agropole de Kara. Avec une formation intense de 85% de pratique et 15% de théorie, la ferme agropastorale Frère Jacques outille les jeunes dans plusieurs filières, entre autres la production de légumes feuilles, fruits et bulbes ou racines comme l'oignon. Elle s'évertue également à former des jeunes dans des corps de métier. Un arrêt moment sur le tableau au Covid, on n'en parle plus assez, mais la maladie est toujours là. À ce jour, jeudi 28 avril 2020, eh bien, le nombre de cas confirmés est de 36 985, avec 2 nouveaux cas enregistrés hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 688, le nombre de cas actifs est de 24 et le nombre de décès 273. Communiqué rendu public par professeur Mustapha Midiawa. Un mot de l'actualité à l'étranger, une rallonge. Eh bien, c'est ce que demandent le Burkina Faso et la Guinée pour proposer un chronogramme pour leur transition. L'échéance donnée par la CEDEAO a expiré lundi. La CEDEAO a, dans un communiqué publié mercredi, accordé un délai au Burkina Faso et la Guinée qui devaient, en principe, présenter un calendrier pour la transition après l'expiration de l'ultimatum le 24 avril dernier.
Les deux pays en ont exprimé la demande le 22 et 25 avril dernier. La durée n'a pas été stipulée par les présidents de la sous-région ouest-africaine. De plus, l'organisation promet d'envoyer des missions dans ces deux pays avant un prochain sommet des chefs d'État. Si la Guinée est déjà frappée par des sanctions économiques, le Burkina fait en ce moment l'exception. Conakry agite le spectre d'une sortie de la CEDEAO et refuse de se soumettre aux dictats de ses voisins. En début de semaine, le pays des hommes intègres a rappelé avoir déjà fixé les termes de sa transition à 3 ans. Si la prise du pouvoir par les militaires a été durement sanctionnée au Mali par la CEDEAO, l'institution ouest-africaine semble lâcher du lest chez les voisins de Bamako. Malgré une levée de boucliers et une décision de la Cour de justice de l'UEMOA, la CEDEAO n'a pas encore levé les sanctions imposées en janvier dernier à Bamako. Des sanctions qui ne sont pas sans conséquences sur la vie de milliers de Maliens. Retour chez vous et avant de refermer cette édition, retour sur le 27 avril, l'anniversaire de l'indépendance du Togo, image du concert Is-Is-El hier sur l'esplanade du Palais des Congrès, le récit à Bozadaja avec Yata Ratem. Terre de nos aïeux, reprise en chœur par des orchestres ici sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Cinq orchestres sous la direction technique de Kossi. Environ 1000 instrumentistes ensemble sur scène en train de célébrer non seulement l'indépendance de notre pays, le Togo, mais aussi en train de chanter pour louer notre Père Céleste. Vraiment, ça m'a beaucoup ému. Trompettes, saxophones, sousaphone, des sonorités pour agrémenter la fête du 27 avril. Et vu notre effectif, nous avons voulu faire une démonstration avec ces chants, ces chansons de l'EPT que nous avons exécuté. Sinon, l'objectif, c'est de célébrer l'indépendance avec un message religieux. L'ambiance est bien commutative. Moi, je la trouve très très belle. Il y a un beau drapeau partout. Je trouve que l'orchestre est très très bien. Il y a beaucoup de trompettistes. Comme moi, je suis jamais venue ici, donc j'ai dit je vais profiter pour venir ici et bien voir comment il y a les monuments, comment on faisait dans les cours de CM. Un flash mob orchestré par les jeunes de la région ecclésiastique Lomé et périphérie, RELP. Et c'est une démonstration réussie. Ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir. De partout, à Libreville, au Gabon, à Accra, au Ghana, sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.